Bonjour à toutes et tous. Le 23 novembre prochain aura lieu le Duo Day 2023. Ce sera la 6e édition de ce programme tout à fait exceptionnel. Au cours d'une journée, une personne en situation de handicap forme un binôme avec un collaborateur d'une entreprise privée ou publique ou d'une association. Elle peut découvrir un environnement de travail et participer à une activité professionnelle. Il s'est étendu en France en 2017. Et il a été organisé pour la première fois à l'échelle nationale en 2018. Depuis, il ne fait que prendre de l'ampleur. Nous disposons à présent des résultats de la précédente édition qui a connu un grand succès. Le nombre d'employeurs inscrits a augmenté de 26%. Le nombre d'offres de duo proposées par ces employeurs a augmenté de 30%. Et le nombre de personnes en situation de handicap inscrites a augmenté de 13%. Il faut poursuivre cette très belle dynamique, car pour les personnes en situation de handicap, le Duo Day permet d'amorcer un parcours d'insertion. Il permet d'être identifié par un employeur et de présenter son parcours professionnel et ses compétences. À l'issue de l'édition 2022, près de 20% des candidats ont eu une opportunité professionnelle. Aussi, j'appelle toutes les entreprises à relayer massivement le message auprès de leurs salariés pour qu'ils se portent volontaires le 23 novembre prochain. Je vous invite à publier des offres sur le site duoday.fr. Ça commence dès à présent. Le Duo Day est une très belle manière de recruter, de trouver un salarié qui aura eu une expérience unique auprès de vous. J'invite les personnes en situation de handicap à répondre à ces offres et à participer au Duo Day. Par la formation de ces duos, nous allons assister à de très belles aventures humaines. Plusieurs ministères vont se mobiliser pour la journée du Duo Day, mon ministère également et moi aussi bien sûr. Nous avons hâte de voir cet événement arriver. Merci à toutes et tous.